Britney Spears est fatiguée de payer des milliers de dollars par mois de pension alimentaire à Kevin Federline. Britney Spears est soulagée que la pension alimentaire qu'elle verse à Kevin Federline cesse bientôt. La star de 41 ans s'est mariée avec Kevin en 2004 et a eu avec lui ses fils Jaden, 18 ans, et Sean, 17 ans, mais il a depuis obtenu la garde complète des deux garçons lors de leur divorce en 2007. Une source a affirmé, quelques jours avant le 18e anniversaire de son aîné, qu'elle était « fatiguée » de devoir payer 20 000 dollars par mois à son ex-mari. Britney est soulagée que Sean ait 18 ans le 14 septembre parce qu'elle est fatiguée de payer à Kevin les sommes folles qu'il reçoit. Après le divorce, Kevin a quitté la Californie et vit désormais à Hawaï avec sa femme actuelle, Victoria Prince, qui est enseignante. En Californie, les paiements de pension alimentaire prennent fin lorsque l'enfant obtient son diplôme d'études secondaires. Et à Hawaï, les paiements de pension alimentaire pourraient se poursuivre jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 23 ans, mais en vertu de la loi révisée 576B-611-2016. L'État qui est déterminé à avoir émis l'ordonnance de contrôle initial régit la durée de l'obligation alimentaire, ce qui signifie que les paiements devraient prendre fin à la date d'anniversaire de Sean. La source a ajouté que la chanteuse de Womanizer, qui s'est éloignée de ses fils depuis plus d'un an, est heureuse d'aider Sean et Jaden à gérer leurs finances, mais a précisé que toute aide qu'elle leur apporterait irait directement à eux, et non à leur père. L'informateur a ajouté, Britney est heureuse d'aider Sean et Jaden. Il n'y a rien qu'elle ne ferait pas pour ses fils. Mais cette somme leur reviendrait directement après leurs 18 ans, au lieu d'aller à Kevin. Ses amis pensent qu'il est temps pour Kevin de trouver un travail.